Je suis venu voir le président de la République pour les consultations. D'abord, je suis venu voir un frère. Caméra. Et le plus important, je crois, d'ici peu, quand il va terminer les consultations, vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Et que pensez-vous de l'Union sacrée pour la nation? Je suis venu ici discuter avec le président de la République sur les consultations. Je garde la primaire au président de la République. De toute façon, c'est sur les consultations, Sonia. Je suis venu pour les consultations et attendez d'ici peut-être deux semaines quand le président va terminer. Je suis en train de vous dire qu'il y a les consultations et il faudrait respecter les consultations. Après ces consultations, vous pouvez être primaire. C'est les consultations, c'est confidentiel. Merci.
Dieu m'a doté du franc-parler. Tu vois, j'ai dit la vérité aux gens, même quand ça ne vous plaît pas. Et avec le temps, vous finirez par vous rendre compte que j'avais raison. Moi, je pense à l'allure où va le pays. Je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité. Mais si une majorité fabriquée, et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque tout. Ça ne va pas. Le pays nous appartient. Le pays, c'est un scandale géologique que Dieu nous a donné. Nous pouvons faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son compte. Très réceptif. Je suis favorable à ça. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous unir pour les nous combattre pour aller de l'avant. Et tôt ou tard, nous récolterons le fruit de la bonne volonté que nous aurons montré d'aller ensemble de l'avant. Oui, la délégation du regroupement politique AFDC Allié a été reçue par Son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre des consultations pour l'Union sacrée de la nation. Comme vous le voyez bien, nous y avons répondu et nous avions déjà rendu public un plaidoyer dans lequel nous avions repris les grandes lignes de ce que nous pensons être la refondation de la République démocratique du Congo. Vous en avez sûrement connaissance, c'est ce mémo que nous avons développé. Sinon, pour le reste, par respect à l'autorité, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Et donc, la primeur est réservée au chef de l'État. Quelles en sont les grandes lignes ? Vous les avez dans notre plaidoyer. Nous avons fait un plaidoyer pour la paix, la bonne gouvernance, gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance climatique, gouvernance diplomatique et sécuritaire. Nous avions par exemple proposé qu'on puisse instaurer des barzas communautaires au niveau de chaque province pour que les communautés prennent l'habitude de se parler. Et donc nous avons fait un plaidoyer que nous sommes venus défendre auprès de Son Excellence Monsieur le Président. Nous, AFDC Alliés, qui luttons depuis longtemps pour un avènement d'un état de droit, un état où doit s'ériger effectivement un état qui respecte les valeurs républicaines, un état où le peuple tire avantage de toutes les ressources que le bon Dieu a mises à notre disposition, eh bien, nous ne pouvons que nous inscrire dans la logique de l'union sacrée de la nation pour que cette fois-ci nous puissions briser ce paradoxe d'un État doté de tout mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde. La coalition, mais je pense que ceux qui l'ont créée eux-mêmes ont marché dessus. Vous avez vu tout le monde dans la rue qui n'a pas vu que les membres qui constituent la coalition étaient dans la rue. Que ce soit du côté du FCC que du côté du CASH, c'est un message clair que ça ne marche pas. Et donc eux-mêmes ont craché sur leur propre alliance. Et donc pour nous, AFDC Alliés, il faut chercher autre chose. Non, vous savez, nous venons pour donner les grandes lignes. Nous ne sommes pas là pour proposer, nous ne pouvons pas nous mettre dans la tête des dirigeants. Chacun assume sa responsabilité. Ce qui est important, c'est de voir, de tirer un passage du discours du chef de l'État lorsqu'il a dit que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Donc il faut que vous puissiez vous en tenir à cela. Merci. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Vous connaissez ma position. Vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'UNAFEC. Je suis tout simplement venu transporter transmettre le grand soutien de la population, du peuple, de l'UNAFEC à travers toute la République en général et particulièrement le Katanga, qui, le peuple qui a décidé
d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population et qu'il continue toujours à servir la population et qu'il fasse asseoir l'état de droit. Et vous savez, en passant, c'est lui qui vous parle ici. Et c'est tout un symbole. C'est dans cet hémicycle, c'est dans ce bâtiment que nous avons, nous, à l'époque, fait tout pour faire tomber la dictature dans notre pays du temps de Mobutu. Avec les 13 parlementaires, c'était dans ce bâtiment. Et c'est tout un symbole. J'ai tenu à lui rappeler cela parce qu'un des... Enfin, je peux dire, un de nos compagnons, c'est son papa de triste mémoire, de heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi de Wamulumba. Et voilà l'histoire. Habituel et recommencement. Nous sommes là. Vous êtes devant un leader politique de ce pays qui a crié, qui a confessé sa foi, qui a dit clairement, qui a lancé un appel à tous les compagnons de lutte de Fachi, de Félix Antoine Tshilombo, pour l'entourer, pour l'encourager et pour l'accompagner dans son combat. Heureusement, je crois qu'on y est. Je vois que tous ceux avec qui on a été à Genève, tous ceux avec qui on a été à Genève, tous ceux qui ont parcouru la République avec lui, se sont ravisés et Dieu merci, ils viennent en masse pour rencontrer leurs frères qui avaient tant besoin d'eux pour mener son action et mettre fin à l'arbitraire, mettre fin à la gabegie, mettre fin à la dictature, aux tueries, et surtout à la violation des droits de l'homme. Tranquille. Le chef de l'État a dit, je consulte, je contacte qui il faut contacter, et après, je vais tirer les conclusions qu'il faut. Attendons que lui, qui a cette prérogative-là, de tirer la leçon de tout ce que nous lui aurons dit. D'ailleurs, je ne vous ai rien dit. Soyez tranquille, lui-même les transformera en déclaration. Mais vous pensez qu'il faut mettre fin à la coalition KHFCC ? Écoutez, nous ne pouvons pas brûler les étapes. Tout ce que nous devons dire à notre niveau, c'est un constat que ce mariage-là n'allait plus. Voilà. C'est regrettable. Merci.